quelques années qu'on a l'habitude de venir manger le vendredi soir, deux jours de fête. On y a pour tous les goûts et tout, donc c'est vraiment hétéroclite. J'ai vu Kassav ici. Ouais, c'était Kassav, le groupe Kassav, il y a quelques années déjà. Diams, Wallen, il y avait Abdelmalik, Islin. Michel Fugain, j'aime beaucoup Lavilliers, j'ai beaucoup aimé aussi Jacques Higelin. Ça fait 10 ans que je l'ai fait. Hein. J'ai vu quasiment tous les concerts, les grosses têtes d'affiches, on les a vus. Je suis née à Palaiseau, donc non. je suis là tous les ans. Je me suis même mariée le, le jour de la fête. En fait, je suis passé chercher une baguette et on m'a intercepté, donc je suis venu. Bonne fête de Palaiseau. Quand je l'imagine, il sourit vers rien. Quand je l'imagine, il pense bien. Quand je l'imagine, il pourrait même être celui qui sera l'homme que j'aime. Comme je l'imagine et comme toujours, il va près des gens qui aiment l'amour. L'idée initiale, c'était à partir de, du mois de juin et autour de la fête de la musique, d'essayer de développer un concept de fête où tout le monde se retrouverait, quel que soit l'âge, la génération. Le lien social se crée par le fait qu'il y a toutes les générations qui sont là et que tout le monde est en admiration devant à la fois les artistes qui sont là et puis les chanteurs qui sont sur scène. Et maintenant aussi avec la fête des jeunes. On a souhaité qu'il y ait de plus en plus d'espaces de convivialité, de rencontres, et plutôt que ce soit des stands uniquement d'information, c'est vraiment des stands où toute personne peut y trouver son compte, c'est participatif. Il y a là, de ce côté-là, il y a des ateliers où on prend soin de soi, massage, maquillage, bien-être, il y a c'est sportif, et puis les ateliers de l'accueil jeune, puisque l'idée c'est aussi que toute l'année, il y ait des choses qui se passent évidemment pour les jeunes dans l'enceinte de l'accueil jeune, et que le jour de la fête de la jeunesse, ces jeunes puissent aussi se produire. C'est ce qui se passe avec le Palais Hip-Hop, les jeunes qui viennent de se produire sur scène, les Yamakasi qui sont là cette année. On vient faire tous les stands un peu pour les enfants, pour qu'ils découvrent un peu tous les stands, le maquillage, le jonglage, un peu toutes les activités qu'il y a sur place. Une impression d'être en vacances. Il fait beau, il y a la musique. Il n'y a pas longtemps que je suis sur Palaiseau, donc je découvre et c'est agréable. Quand j'ai déménagé ici, c'est la fête qui m'a accueilli. J'ai déménagé le 14 et une semaine après, c'était la fête. Donc cette fête, ça marque beaucoup pour moi, ça me fait plaisir. J'aime bien ce type d'événement où on peut rencontrer des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas parfois. C'est l'ambiance, je trouve que c'est une ville ouverte. On écoute la musique et on en profite. J'ai beau me dire, moi je m'y fais pas. Tant que pas, c'est qui prend tout. Ma nostalgie, faudra m'y faire. Je joue à domicile aujourd'hui. La ville m'a contacté pour venir jouer. Le pied, quoi, je suis à 5 minutes. Donc c'était vraiment excellent, puis de jouer à Palaiseau, c'est cool, ça fait 4 ans que je suis là, la famille qui va venir, etc. Donc c'est sympa, c'est agréable, il y a plein de stands où on peut faire plein de trucs, des massages, et c'est, je m'y sens bien. J'ai beau me le dire, je m'y ferai jamais, d'avoir perdu mon innocence, j'étais si bien là où j'étais. C'est une 10e édition qui nous permet un petit peu en même temps de faire le bilan, mais surtout de bien offrir aux Palaisiens la substantifique moelle de jour de fête pour cette 10e édition.
Moi, ce que je remarque aujourd'hui et ce qui vraiment me fait vraiment très plaisir, c'est qu'on sent encore plus que c'est pas jour de fête, fête de la ville, c'est la fête des Palaisiens, que les Palaisiens ont investi la fête en se disant voilà, c'est la fin de l'année, on fait la fête avec les commerçants, on fait la fête avec les jeunes. C'est un endroit qui aujourd'hui, on le voit là dans la foule qui est derrière moi, très 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 familial. Moi, je me suis beaucoup baladée depuis hier soir. Véronique Sanson nous a offert un concert d'une générosité, j'en ai encore parlé tout à l'heure, dans une fête de voisins. C'était vraiment très 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 agréable. Pour nous, c'est une très très belle édition. D'où vient le vent du matin, que le jour chasse en chemin. Où s'en vont les poussières qui brûlent nos yeux. Et ma fille est très amoureuse de Raphaël, voilà. A little bit, but I cannot speak French. All your days will be filled with sorrow. Oh, yeah.